Waouh, putain! Merde! Gueule, gueule! Hey! Dans sa mère, j'suis mort. Salut, j'espère que vous allez bien! Donc, c'est très bizarre, j'ai la tête dans le cul, ça, je me suis pas levé très tard, à 8h. Donc, aujourd'hui, mon école, ils m'ont demandé quoi? De faire un vlog en tant qu'une journée en tant qu'étudiant, quoi. Pas grave, c'est fou de naturel. C'est horrible, je sais pas combien de personnes vont voir ça. Mais bon, j'espère avoir un 18. Bref, vous allez voir ma vie en tant que 24 ans en tant qu'étudiant. Donc ça va passer, je sais pas, jusqu'à filmer dans les cours. Je sais pas trop ce que je vais filmer, mais je vais filmer. Je vous préviens, c'est mon premier vlog. Je suis pas très à l'aise, voilà. Et je vais faire quoi aussi? Je vais faire... Je vais également filmer la soirée. La soirée, parce qu'on aura une soirée, mais elle sera pas ce soir. Elle sera 3 jours plus tard, le jeudi. Et voilà, je crois qu'on est bon, hein. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. J'ai une gueule de merde. Allez, je vais aller déjeuner là. Je sais pas quoi faire. Donc là on va déjeuner. Là on va déjeuner. Pourquoi je me frotte les mains? Hey, tu te laves les mains, ma gueule. Je voulais commencer ma journée avec un petit café, mais ça, bah j'ai pas en fait. Vous avouez, c'est un peu de la vieille école, donc bah je crois qu'on va abandonner le café. Ah, je suis difficile le matin. Si j'avais su faire un vlog de toute ma journée, et le pire c'est que vous savez quoi, c'est après, quand je vais devoir filmer dans l'école et tout, je vais pas être à l'aise. C'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant je vais aller me débarbouiller, tout beau, tout propre. Bon là maintenant je vais aller dans ma salle de bain là. je vais aller préparer, brosser les dents, tout ça. Ma vie quoi, le matin. On se revoit après quand je suis prêt. Tous les matins, j'ai une habitude, c'est que je regarde la bourse, les actions que je pourrais faire durant la journée ou durant la semaine. Voilà, c'est mon habitude quotidienne. Plus sur mon ordinateur et je travaille un petit peu avant de partir à l'école. Donc là... Ah oui, je savais. Bravo, Tchoupi. T'es meilleur, Apache. Oui, la bourse. Par contre, c'est pas vrai, je fais pas du tout ça le matin, mais par contre, je vais me préparer et je vais m'habiller. Enfin, je vais mettre mes chaussures parce que là, je dois partir. On prend la chaussure, tac. On met notre pied et pas notre main. On passe en dessous du pont, on tire le pont. Ensuite, on fait la première boucle. On passe au-dessus, en dessous et on tire. Pour les plus marrants, on fait un double nœud. Pour avoir une chaussure qui tient bien au pied. Je vais y aller. Hein. Et je vous jure, ça fait vraiment bizarre. C'est la toute première fois que je me filme dans la rue. Bon, je suis parti un peu en mode pas les couilles, mais fait un peu froid. Donc là, je marche en direction de l'école. Là déjà, juste en filmant, les gens ils se disent mais je fais quoi ce bouffon, tu vois. Mais c'est drôle. Oh, elle est là. Merde, je regarde sans traverser. Bon, ça y a pas trop de monde. Voilà. Elle est magnifique. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis au INSEEC Lyon. Je suis pas à l'aise. Il y a deux écoles. Soit je prends la facilité, c'est-à-dire je prends l'ascenseur, ou je vais. Je prends directement les escaliers, mais. Attendez, je vous montre. Regarde-moi ça. Waouh, ça met. Je vais prendre les escaliers. Allez, let's go. Bon, attendez, en vrai, ouais, j'ai peur de faire tomber ma cam, moi. Ouh. Donc voilà, directement. Donc là, en fait, il y a des sortes de portes. Si tu rentres pas avec une carte, bah t'es baisé. Et là, il y a tous les espaces de travail, là. Il y a des gens qui font beaucoup. Et en gros, genre, c'est que des espaces de travail, là, de partout. Et en mode, il y a des salles, là. Genre, il y a plein de blocs avec des salles. Mais je vous emmènerai en haut. En fait, il y a plein de trucs, genre avec l'administration et tout, avec justement le gars de la com. Et c'est trop bien, genre. Je vais vous montrer. Bon, je vais prendre un truc à moi. Un euro? Bon, ça va. Et vous me direz, je sais pas pourquoi je garde un bonnet à l'intérieur. Il y a des chouettes sculptures, là, juste ici, là.
Et il y a que des escaliers, frère. Là, faut que je monte au 5e. Il y a 5 étages. On va aller voir. Le responsable de ma com. Alors, je sais pas si j'ai le droit de filmer ici parce que c'est quand même un endroit. Genre de professionnel, tu vois. C'est super grand. En gros, ici, c'est là où il y a toutes les réunions, les gens, tout ça. Des associations aussi. Et moi, je fais partie des community managers, c'est-à-dire que je gère les réseaux sociaux, tout ça, là. Bon, il est un peu long, hein. C'est un homme important. Attends, je vais aller voir, c'est bon. Donc là, on est arrivé dans le bureau, et là, j'ai retrouvé mon alcoolique. Attends. Je voulais dire acolyte. Attends. Et là, j'ai retrouvé mon Attends. Et là, j'ai retrouvé mon Ah, j'arrive pas. Acolyte. Attends, comment? Acolyte. Donc là, j'ai retrouvé mon acolyte. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça dit quoi? Ça va bien. Oh pardon. Ouh. Les gens, on va parler d'un truc sérieux là. Après, ça dépend de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Positionner sur les deux. Mais c'est pas sûr. Il y a tellement de candidatures que c'est. C'est quoi ton mail? Hugo. Ça, tu l'as fait? Hein? Stage au Canada. Il faut toujours avoir un Marco dans son équipe. Batterie. Simon. Non. Overreact. Non, en vrai, c'est beau. Regardez Lyon. Waouh. C'est beau. C'est sur ce matin ensoleillé que je vais attaquer mon premier cours en espagnol, mais je vais demander à la prof si je peux la filmer, ça va être drôle. Donc là je rentre en espagnol, je vais voir, je vais demander pour que la prof elle me, pour que je lui parle, mais je vous avoue ça fait bizarre. En este cartel de publicidad podemos ver que este decor traduce un ambiente místico que combina muy bien con la tentación y muy seguramente lo compraré. Ouais, donc là j'ai fini l'espagnol. Je raconte ma vie. Je vais aller manger. Il fait pas très beau là. Et après je vais vous montrer les locaux parce que j'ai rien à montrer tout simplement. Et d'ailleurs oui, update, la prof d'espagnol elle a pas voulu que je la filme. Du coup c'était. Elle m'a dit non. Voilà, bon je vais aller manger, on se retrouve après. Bon malheureusement je vais pas pouvoir trop filmer parce qu'on va travailler. Maintenant on est en train de manger. Et je vous jure il fait une chaleur. Je sais pas ce qu'il y a dans cette classe. C'est horrible. Et à chaque fois que je prends ma caméra, je me fais juger. Attends. Wesh, let's go. Wow, let's go. C'est trop bien. Faut pas penser qu'on regarde que des matchs en cours. On a bien travaillé avant, c'est juste qu'il reste 10 minutes de cours. Voilà. Là, c'est la Tunisie. Danemark. C'est qui va gagner? Danemark. Bon, on a rejoint mon acolyte préféré. Ça va? Ça va. Alors en fait, j'explique. Genre là, j'étais en cours, j'ai filmé, j'ai pas filmé grand chose parce que en fait, j'avais pas trop le droit. Genre les profs, je leur ai demandé, j'aurais dit, ouais, je peux filmer et tout. Elle m'a dit, no. La prof d'espagnol m'a fait, no, filmar. Elle voulait pas être filmée quoi. J'ai fait, ok, machin. Mais j'ai quand même pu poser ma caméra sur les trucs et tout. Après, la prof d'anglais, pareil. C'est toi, hein. Ouais, Marc, il est un peu timide, je suis désolé. Oui, je suis le seul à l'aise en fait à la caméra. Ouais, c'est ça. Bon, il fait le timide. Ça va toi? Oh, il y a des... C'est mon dernier cours, j'en peux plus, il me reste 2 heures. Sympa. Mais ce soir, il y a match. Et comme je vous ai dit, je peux pas trop filmer dans les cours parce que malheureusement, les profs ne veulent pas trop, tu vois, c'est un peu compliqué. Oh, on m'a remboursé en live, des pièces. Putain, frère, j'ai le seum, j'ai jeté mon sandwich dans la poubelle. Mais j'ai pas fouillé les poubelles. Dégoûté, j'ai jeté mon sandwich, je crois. Il m'a coûté une blinde. Je peux rentrer? T'aurais pas vu mon sandwich? Oh mais frère, mais je suis trop con! Merci frère. Tu veux ça?
Mais oui, bah oui. Voilà, forcément. Mais t'as oublié toutes tes affaires aussi. Ouais. J'ai oublié ma bouffe. Bon bah, bon courage. Hein. À toutes. Vas-y, à toutes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a match? Oh belle. T'en penses quoi du match? Très ennuyant. Là, ça zoom ou pas? Oui, ouais, mais c'est ma bouche. C'est ma bouche, mais pourquoi pas? Non, c'est le film là. Parce que. Hein? Coucou Vladimir! Coucou Vladimir! Ah, Thibaut! Oui? T'as pas la caméra? Non, non, elle est au voisin. Equality. Equality or to promote. Ce qui est bien, j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'il y a plein d'espaces de travail, genre juste ici. Vous voyez qu'il y a des tables comme ça, et là, il y a des blocs comme ça. J'ai oublié de... Bloc B par exemple, voilà, on rentre. Et en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a plein de petits blocs, avec des salles comme ça de partout. C'est complètement fou. Enfin, c'est des salles quoi, mais c'est incroyable, hop. Et voilà, vraiment, c'est vraiment des blocs comme ça. Et genre... Pardon. voilà, bon, du coup, là c'est assez calme. En vrai, ça fait une bonne qualité. Hein. Mais là, il y a un truc aussi pour manger et tout. Apparemment, il y a plein de trucs. On vous fait juger. Mais tranquille, regardez. Là, il y a encore des espaces de travail. C'est fou, c'est fou. Bon, bah, la journée c'est fini. Je suis très content. T'es content, Marc? Très content. On dirait mon daron derrière. En tout cas, on se retrouve jeudi parce que la soirée du gala. Voilà, donc à dans deux jours. Et ça y est! Deux jours! Pourquoi je gueule? Deux jours après, on est chez Mister. Il y a un sacré plan là. Là, je travaille un petit peu et après, justement, on va se préparer pour le gala. Donc, vous allez voir quand je vais me préparer tout ça. J'enfile ma petite tenue. Voilà, j'ai pris un truc simple, vraiment simple. Et genre, j'ai pas de masque. Mais je vais être là au milieu de la soirée en train de filmer comme ça. J'espère que ça va faire le taf, hein. Ça va pas trop être. Entre guillemets. Je dis toujours gênant. Non, on s'en fout! On s'en fout, Lucas? On s'en bat les gars. Oh merde! Donc là on va aller s'habiller, j'allais voir ce que ça donne, voilà, j'ai une tenue simple, on verra bien. Allez, j'y vais. Excuse-moi, t'aurais pas un... Quelle table je sers aujourd'hui? À 3. Nous on détruit les codes, là on se prépare, on va y aller. Voilà, donc ma femme ce sera lui, bien évidemment, même si je suis célibataire. Genre voilà, il est simple, petite chemise noire, on s'est pas pris la tête. Moi j'ai pris quand même mon truc de costume, mais ce sera ma comment on appelle ça? Cavalière. Ouais bébé. Wesh. Aïe. Là je vais aller voir la loge. Ah, je me suis ouvert le crâne. Sa mère. Oh, c'est la loge du patron. C'est la loge de plein qui bosse. Putain, c'est la loge du patron. On a allumé frère. C'est fou. Allumé quoi? Mais non, c'est incroyable. Attends, il y a un spot, vas-y, filme-moi. Ouais. Vous êtes crazy là? Allez, ouais, c'est mieux. Les imperfections, c'est... Like ça, man. Et c'est normal, c'est un des spots. C'est bon? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que... C'est mon amour, c'est gentil. Voilà. Toujours pas de cérémonie, les 22h. Tard, wesh. C'est long. C'est long, sa mère. Le coup de l'essai, celui où vous êtes, avec lui, au son du chat.
J'ai un peu une star. Je voulais pas le dire, mais c'est la vie en Bon, ouais, c'était une coulée. Oh putain, c'était une coulée. C'était une coulée. En vrai, c'était une soirée super, genre vraiment. Voilà, donc nous, on va rentrer en mode bah, safe parce qu'on n'a pas pris la voiture, tout ça. Donc, c'est le monsieur qui va conduire parce que moi, je suis chaos technique. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé ce petit vlog. Ça sort d'habitude. Je suis sorti de ma zone de confort, forcément, parce que je filme, voilà, je sors ma caméra dans, vous savez, dans les lieux publics, tout ça. Donc, j'ai pas l'habitude. Mais bon, on va finir sur des séquences de trottinettes électriques. Let's go. Faut faire très attention d'ailleurs, tous ceux qui prennent des trottinettes électriques, c'est ultra dangereux, on le sous-estime. Voilà, donc franchement, faites très attention. Ça reste un transport, ça reste dangereux, ça reste de la vitesse. Donc vas-y, bisous, et on vous laisse sur voilà, petite séquence de trottinette électrique. Peace. Regarde la route.